Hallelujah. We thank you for your name. Power in your name. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom du Seigneur. Nous te reconnaissons de ce qu'il n'y a point d'autre nom. C'est le nom de notre héros, de notre sauveur, de notre bon berger, de notre chemin, de notre vigueur, notre force, notre capacité, notre rocher, notre forteresse, notre lumière, notre avocat, notre souverain sacrificateur, le premier-né, notre résurrection et notre vie. Point d'autre, point d'autre nom que le nom de Jésus. Et notre bienfaiteur. Notre salut, point d'autre nom que le nom de Jésus. N'est digne de gloire, n'est digne de puissance. À lui soit la louange et l'honneur. Point d'autre nom, point d'autre nom. C'est le rocher de nos vies, c'est l'amour de mon cœur, c'est la passion de mon cœur. Point d'autre nom que Jésus. N'est-il point d'autre nom de ma justice, point d'autre nom de ma lumière. À lui soit la louange et l'honneur. De ma ressuscité, ensemble avec lui, point d'autre. N'est parti dans l'éternité, me préparer une place. Point d'autre que lui. Point d'autre nom que Jésus le Christ. N'a pris ma place, point d'autre. Communiquer sa justice, n'a pris ma condamnation, point d'autre. N'a pris ma pauvreté, n'a pris ma honte, n'a pris ma culpabilité, point d'autre. N'a pris ma mort pour me donner la vie, point d'autre que Jésus-Christ de ma part, de ma résurrection et ma vie. Point d'autre que toi, non, point d'autre. Contemplation, point d'autre. Les dignes de mon adoration, les dignes de ma louange, les dignes de ma consécration, point d'autre que toi, point d'autre. Et l'amour de ma vie, non, point d'autre. Les dignes que je m'en pardonne, que je me livre comme un sacrifice vivant, point d'autre. N'est le salut de ma famille, de mon histoire, point d'autre. N'est le doigt invisible qui réécrit mon histoire, point d'autre. N'est le rédempteur de ma destinée, point d'autre. Point d'autre que toi, Jésus, n'a racheté ma dignité, point d'autre. Point d'autre. Point d'autre. N'a racheté ma royauté, point d'autre. Avec la vérité, n'est venu avec la grâce, n'est venu pour mettre un terme à la tyrannie, le règne du mensonge dans ma vie. Tu as emmené la vérité avec toi, Jésus-Christ. Point d'autre
que toi, point d'autre, n'est venu avec la grâce de Dieu. La grâce surabondante pour la faire surabonder là où le péché avait abondé. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre que toi, Christ Jésus. Et qui de moi louange, de mon adoration, de mon admiration, ma contemplation. Et qui de mon honneur, de toute ma gratitude, de toute ma dévotion. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, quoi ne peut se comparer à toi, non, non. Point d'autre que toi, non, non. N'est l'image du Dieu invisible, point d'autre. Le premier-né de la création, car en toi ont été créés, point d'autre. Les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout est créé pour toi et en toi. Et toutes choses par toi, tout se subsiste en toi. Tu es la tête du corps de l'Église, tu es le commencement, point d'autre, mais le premier né d'entre les morts, point d'autre que toi, ah, point d'autre n'a vaincu la mort et n'est ressuscité. Et ce n'est pas tout, n'est monté dans un corps humain glorifié, s'asseoir à la droite du Père. Voilà pourquoi on appelle les prémices, on appelle le premier-né. Point d'autre n'est le premier-né. Tu ne peux pas le comparer à un ange, à un archange. Tu ne peux pas le comparer à un chef de religion. Point d'autre ne réconcilie les cieux et la terre. Point d'autre. Point d'autre ne fait l'unanimité dans l'univers à la mention de son nom. Point d'autre ne fait fléchir les genoux à Mami Wata, aux esprits des eaux, aux dominations, aux autorités, aux Satan, aux grands dragons, aux serpents anciens, aux diables. Point d'autre nom ne met à genoux l'enfer. Point d'autre, c'est le nom de mon héros, c'est le nom de mon grand frère, c'est le nom de mon rédempteur et sauveur. Point contemplation, point d'autre, n'est digne d'être obéi, n'est digne qu'on lui fasse confiance, point d'autre que toi, point d'autre, n'est digne d'acclamation de la part d'un racheté qui est reconnaissant, point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre que toi, Jésus-Christ, point d'autre, point d'autre, point d'autre, non. J'ai regardé sur terre, j'ai fouillé sous la terre, j'ai entendu parler des créatures célestes dans le ciel. Je peux t'attester qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre salut. Point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre que lui. Point d'autre, n'est-il d'être épris, n'est-il d'être obéi. Tu ne peux pas le mettre au même niveau qu'un petit copain, non. Tu ne peux pas le mettre au non. Point d'autre n'a sécurisé mon éternité. Point d'autre n'est le salut, n'est l'auteur plutôt d'un salut éternel. Il n'y a que lui. Il a racheté par son sang précieux pour Dieu son Père des peuples de toute langue, de toute race, de toute tribu, de toute nation. Et tu sais quoi? Il en a fait des rois et des sacrificateurs. Et il est écrit, ils régneront au siècle des siècles. Oh, tu m'as compté dedans. Oh, je ne peux pas me taire. Je dois exprimer ma gratitude. Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes qui ne peuvent pas se taire, qui doivent l'acclamer, qui doivent l'acclamer? Non, point d'autre, point d'autre, point d'autre, point d'autre que toi. Point d'autre, oh calme, oh point d'autre, non, ne regarde pas ton voisin,
Je ne regarde pas à toi, de peur d'être refroidi. Je ne regarde à lui. Point d'autre que toi n'est digne d'honneur. Amen. Point d'autre que toi n'est digne de louange. Point d'autre que toi n'est digne de ma contemplation. Point d'autre que toi n'est digne de mon obéissance. Point d'autre que toi n'est digne d'être le Seigneur de ma vie. Point d'autre que toi n'est la main étendue sur moi. Point d'autre que toi n'est ma vigueur et ma force et ma résurrection. Et ma capacité, ma vie. Point d'autre que toi n'est digne de mes acclamations. Point d'autre que toi n'est digne que je pousse des cris de joie. Oh, l'honneur de mon rédempteur et de mon héros. Amen. Tu m'as donné un jour de plus sur la terre. C'était pour faire retentir. Oh, l'honneur de ton nom, des cris de joie. Amen. Des cantiques en ton honneur. Amen. Jésus le Christ, les dignes de notre adoration. Amen. Un vaccin chrétien, tu es accueilli. Amen. Un vaccin chrétien, tu es honoré. Amen. Un vaccin chrétien, tu es célébré. Amen. Un vaccin chrétien, tu es reconnu. Amen. Personne d'autre que toi n'est digne. Tu es reconnu comme la tête du corps de l'Église. Amen. Le commencement, le grand de ton croissant. Le premier-né d'entre les morts. Le grand frère qui allait me préparer une place. Amen. Je ne finirai pas l'éternité dans le néant. Je n'irai pas dans l'éternité, dans l'embarras, dans l'inconnu. L'éternité ne sera pas un saut dans l'inconnu. Non. L'éternité sera un saut dans ses bras d'amour. Parce qu'il a préparé la place. Excuse-moi de te dire, il est mieux digne que ça. Il est digne que l'on l'aime et qu'on lui obéisse. Il est digne d'être contemplé, d'être acclamé. Obéis, célébré, couronné. Alors acclame le mieux que ça. Pas au niveau 1, monte au niveau de ton acclamation. Monte au niveau de Amen. Amen. Allez marcher quand on va. Un point d'autre. Je n'ai point d'autre escorte. Je n'ai point d'autre protecteur ni bannière. Je n'ai pas besoin des autres. Un seul me suffit. Il est mon médiateur, mon intercesseur. Il est mon rocher. Il est mon avocat auprès du Père. Il est mon propriétaire, mon maître, mon Seigneur. Je n'ai pas besoin d'autre héros. Il est le héros qui sauve. C'est ainsi que Sophonie l'a appelé. De l'acclamer, mais si tu l'acclames, alors acclame le bien. Si tu l'acclames, alors donne ta voix, donne tes mains. Maboko, pèse ma boko. Aïe, 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 donne des mains, donne des mains, donne des mains. Amen, 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 amen. Amen. Oh, il est mon rocher. Est-ce qu'il est ton rocher? Est-ce qu'il est ton époux? Il est ma résurrection. Il est ma part. Allez, il est mon abri secret. Il est ma forteresse. Il est mon allégresse. Oh, 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 oh. Oh, we thank you. 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 Oh, laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi te célébrer. Oh, no one else. Point d'autre que toi. Tu peux rester silencieux si tu veux, mais moi, de mon vivant. Il a dit, car vous êtes un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez bien haut, pas bien bas, bien haut, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi je ne peux pas me taire. Personne n'a fait pour moi ce qu'il a fait pour moi. Reçois notre gratitude.
prends le commandement de nos vies, de ce moment, de ta parole. Have your way. Par ton esprit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es là pour rendre témoignage de Jésus-Christ, pour glorifier Jésus, pour nous rendre conformes à Christ, et même plein, afin qu'il soit établi à notre sujet, tel il est, tel dans ce monde nous sommes. Nous accueillons ton ministère, nous honorons ta présence. Nous voulons te dire combien nous dépendons de toi. Nous ne voulons personne d'autre que toi. Esprit de Jésus, mets la caméra sur Jésus. Bâtis l'église glorieuse, l'église conquérante, triomphante, resplendissante, sans tache ni ride. Accomplis les desseins du Père. Manifeste la volonté du Père dans nos vies, sur la terre, dans notre histoire, foyer, famille, tous ceux qui sont dans la barque, dans nos territoires, là où tu nous as établis. Que ton règne soit visible au milieu des ténèbres. Honneur, louange et gloire à Jésus le Christ, à Dieu notre Père, par le Saint-Esprit. Pour la louange, amen, la gloire et l'honneur, amen, au nom de Jésus, amen, le Christ. Nous avons ainsi prié, amen, avec action de grâce. Amen, amen. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Wow, Dieu est dans la place. Oh, acclame-le, acclame-le. Il est le héros qui t'a sauvé. Bienvenue à Impact Sound Chrétien. Bienvenue à toutes nos églises, toutes nos, notre grande famille, la communauté ICC Worldwide, manifestée dans plusieurs campus, familles, communautés, à travers les villes qui défilent à l'écran. Ces villes indiquent un endroit où il y a une communauté Impact Sound Chrétien. Que ce soit une famille connectée, une église, un campus, un méga campus, whatever. Voilà, acclamons le Seigneur pour cette famille. Tu n'as pas idée de la grâce que c'est d'avoir une famille disséminée partout. Il y a une sœur qui est à Kinshasa. Dans la fille est partie faire des études au Canada, pas à Montréal, dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Ça s'appelle Trois-Rivières. Et puis elle m'a appelé un peu dépité en disant vraiment ça l'embête de laisser partir sa fille dans un endroit où elle ne connaît pas des églises. Je ne sais même pas s'il y a des églises. Vous n'auriez pas une église ICC là-bas? Je lui ai dit si, si. ICC Trois-Rivières. Elle a dit oh mon Dieu. Hein, c'est ça. Voilà pourquoi il faut s'étendre. Voilà pourquoi il faut se multiplier. Ne t'inquiète pas, on n'a pas fini. On ne fait que commencer l'expansion et la conquête des nations. Et toi qui me regardes, tu seras appelé missionnaire du royaume des cieux. Au nom de Jésus. Tu seras recruté, oui. Just get ready. Prépare-toi seulement. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci d'inspirer les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Oui, tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Oh, dis Amen encore avec moi. Alors ce matin, alors aujourd'hui, nous... L'Esprit m'a convaincu de faire un petit retour arrière aujourd'hui. Étant donné que, tu sais, le ministère de la prédication, l'enseignement de la parole, c'est pas un 100 mètres. C'est pas la peine de tout dire, tout, voilà, tout s'empresser de... Il faut dire et puis s'assurer que ce que tu dis est compacté. Parce que la plupart des choses que les gens, qu'on entend souvent, on n'en met même pas en pratique. C'est pour ça que des fois, c'est pas mauvais de revenir. Et puis là, donc, on va faire un retour arrière, compacté un peu, et puis aller là où le Seigneur nous conduit, selon le bon plaisir de sa volonté. Et là, tu peux dire Amen. Alors, je reviens un peu en arrière pour... Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, quelques mois qu'on est en train de parler de l'importance, la nécessité de prendre, de revêtir toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. On est en train d'en parler depuis plusieurs mois. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de l'importance de prendre toutes les armes de Dieu? On a fini par la septième arme, qui est l'arme offensive, et la seule arme offensive et de longue portée
qui s'appelle « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Mais pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça? En fait, on est en train de parler de l'importance de revêtir les armes de Dieu parce que les armes de Dieu sont les instruments indispensables qui permettent d'ébranler, de démolir et de renverser ce que la parole de Dieu appelle les forteresses. Merci. Merci pour les quatre personnes qui ont répondu. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il est écrit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, donc il y a des armes avec lesquelles on combat, ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont powerful par la vertu de Dieu pour démolir, renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive ou encore prisonnière à l'obéissance à Christ. » Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un me dit. Donc, ce texte nous dit qu'on prend les armes pour ébranler les forteresses. Donc, on avait commencé par les forteresses, et puis on a avancé par les armes de Dieu, les sept armes de Dieu. Alors, qu'on arrête la série, ou qu'on n'arrête pas la série sur les forteresses, bien aimé, tu dois être conscient que les forteresses, hein, c'est en fait... Même si on arrête d'enseigner sur les forteresses, la réalité c'est qu'au quotidien, tous les jours, chacun d'entre nous est et sera toujours confronté à la réalité des forteresses. Ces murailles, ces systèmes de pensée, ces voies persistantes, ces pensées que tu n'as pas envie de penser, ces pensées indésirables et indésirées qui essaient de s'imposer sur le trône de ton cœur. Tu n'as pas envie d'avoir peur, mais la peur vient. Tu n'as pas envie d'être amer, mais l'amertume vient. Tu n'as pas envie de critiquer, mais la critique vient. Tu n'as pas envie d'avoir l'impression d'être un échec, mais tu as l'impression d'être un échec. Tu n'as pas envie de te sentir rejeté, mais une voix te convainc que tu es rejeté. Les forteresses, elles imposent un diktat à l'intérieur du cœur de l'homme par la ruse, la séduction du diable. Parce que personne n'a envie d'être amer, personne n'a envie d'avoir peur. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a envie d'avoir peur, qui a envie de demeurer dans la jalousie, dans la colère, dans les critiques, dans les calomnies. Même si tu penses que tu aimes ça, c'est faux. Ce n'est pas que tu aimes ça. C'est juste que ton âme a été colonisée et a fini par aimer ça. Mais en fait, ton âme, ce n'est pas toi. Toi, tu es un esprit. Et ton esprit n'aime pas ça parce que Jésus a dit « L'esprit est bien disposé ». Tu as raté une bonne occasion pour dire « Amen ». Donc, les armes sont la clé pour renverser les forteresses. Et les forteresses, c'est ce qui fatigue tous les êtres humains. Satan, c'est un principe spirituel. Si le diable arrive à construire dans ton cœur un système de pensée, des murailles, une manière de penser, s'il arrive à construire ses châteaux, du coup, ces châteaux deviennent comme des abris. Des refuges. La forteresse, c'est un refuge. Et s'il arrive à le construire en toi, la forteresse de la peur, la forteresse du rejet, de facto, cette forteresse devient pour lui un asile, un abri à l'intérieur de toi. Donc, il a le droit légal, que tu sois né de nouveau ou pas, d'avoir un quartier général quelque part en toi. Tant que la forteresse n'est pas ébranlée, Satan a un accès. Il a un parking, il a un abri, il a un asile. Aïe. Non, un seul sera mon asile et ma forteresse. Il s'appelle Jésus le Christ. Un seul. Oh. Et dès lors qu'il a cet asile-là, il a le droit d'entrer et venir comme il veut. Mais c'est surtout ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la forteresse, les forteresses, sont un piège. Parce que beaucoup sont contrôlé par des forteresses, prisonniers. Non seulement la forteresse t'emprisonne aujourd'hui, elle te garde prisonnier. Parce qu'elle t'empêche d'obéir à Dieu. Dès que Dieu parle, une voix te dit non. Ce qui est terrible, c'est qu'on enseigne sur les forteresses depuis l'année dernière. Mais il y a encore des gens jusqu'à aujourd'hui. Tu es encore prisonnier et tu subis encore et tu obéis encore à ces voix. Et tu tombes dans le même panneau. Mais il faut, je ne sais plus, vu le niveau de révélation que tu as reçu, jusqu'à aujourd'hui, il faut encore t'expliquer que ce n'est, le problème, ce n'est pas ce que l'autre a fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le problème, ce sont les pensées qui ont profité de ce qui s'est passé pour venir se faufiler.
Et toi, tu es encore là. Non, c'est ma femme. Non, c'est mon mari. Non, c'est lui. C'est eux. S'ils n'avaient pas fait ça, je ne serais pas comme ça. S'ils n'avaient pas fait ça, je n'allais pas critiquer. S'ils n'avaient pas fait ça, je n'allais pas commettre l'impudicité. Si... Tu es encore dedans. Alors qu'on t'a expliqué que le problème, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les événements, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est que ce qui s'est passé a permis à des pensées, à des esprits de venir frapper à la porte de ton cœur. Tu es encore là-bas. Ah! On va te donner coco sur la tête, cocota. Et malgré ça, je ne suis même pas sûr que ça va rentrer. Miséricorde. On ne parle pas de toi. Hein. On parle de la... C'est pas toi. Toi, tu es bien, toi. Ne regarde pas. Il y a quelqu'un à côté de toi, là. C'est pas toi. C'est elle. Lui ou elle. Il est avec moi. Aïe, aïe, aïe. Les forteresses sont un piège, une ruse, une embuscade que le diable te tend. Pas pour aujourd'hui, pour demain. Pour un jour venir s'emparer de toi et te faire faire des choses. Les gens sous-estiment Satan. Pour te faire faire des choses que toi-même tu n'aurais jamais cru, tu te serais jamais cru capable de faire. J'ai vu des gens qui étaient corrects, marchaient dans la sainteté. Et puis qui se sont amusés un jour à aller regarder des films pornographiques. En disant, j'aimerais bien savoir un peu pourquoi les gens. Qu'est-ce que les gens sentent? Je ne comprends pas pourquoi ils aiment ça. Pourquoi ils tombent? Pourquoi ils disent que. Ah non, je n'arrive pas à arrêter. Moi, je vais regarder un peu ça. Il s'est mis à regarder. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible de voir comment il est devenu un pervers sexuel. Qu'il n'aurait jamais imaginé être. Parce qu'il a sous-estimé les forteresses. Les forteresses sentent une embuscade, un piège, un guet-apens que le diable te prépare. Ce sont une arête, c'est comme dans la gorge là, le poisson. C'est une arête dans le plan de Dieu pour ta vie. Une embuscade contre ta destinée. Et quand tu vois comment la forteresse du rejet a piégé Judas, tu te dis non, ne sous-estime pas les forteresses. Voilà pourquoi aucune ne doit survivre dans ton cœur. Ton cœur doit être tout entier à Jésus-Christ. Tu dois identifier et leur faire la guerre. Voilà pourquoi on te parle des armes. Et par sa grâce, aucune ne survivra. Oui, bien-aimé, il est possible de faire de Dieu seul sa forteresse et d'être prisonnier, non pas des démons avec leur voix mensongère. Il est possible de parvenir au stade où on est prisonnier barricadé par l'amour, la paix, la foi, la joie, la justice, la bonté, la bienveillance, la douceur, l'humilité, l'humilité. On n'est pas obligé parce que Dieu t'élève, parce que Dieu t'enrichit d'être orgueilleux. Non! On n'est pas obligé d'être orgueilleux. On peut être prisonnier de l'humilité. L'humilité, c'est tellement beau. L'humilité te rend beau, belle, mignon, mignonne. L'orgueil te rend laid, affreux, hideux. Quand tu es orgueilleux, tu es vilain. Vilaine. Mais ça te rend moche. L'humilité te rend beau. Tout le monde aime les gens humbles, oui ou non? Plus ils ont, plus ils sont puissants, plus ils sont connus, plus ils sont humbles. Tu aimes ça? Oh, Dieu te rend humble, mon frère, ma soeur. Regarde comment la forteresse du rejet a piégé Judas. La forteresse du rejet ne t'empêche pas de servir. Elle ne t'empêche pas de travailler. Le seul problème, c'est qu'elle va te faire servir, travailler, mais pour acheter l'amour, acheter l'affection, acheter la reconnaissance, acheter l'appréciation des gens. Tu fais les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. La forteresse du rejet va faire de toi une sangsue. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la sangsue a deux filles. Donne et donne. Donnez-moi l'amour, donne l'amour, donne l'amour, donne l'amour. En donnant l'amour aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. En donnant l'amour demain, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est la forteresse du rejet. Jamais satisfait. Tu donnes 24 heures aujourd'hui de ton temps. Parce que tu as fait deux jours sans l'appeler.
Dans 3 jours, il te dit, tu ne m'appelles jamais. Oui. C'est pas toi. C'est une forteresse, c'est un démon. C'est un système de pensée qu'il faut débranler. Il pourrit la vie des gens. Ils ne sont jamais suffisamment aimés, jamais. Moi, j'ai vu. Hein. On a un pasteur. Hey! Fait hey! Hein. Aïe. On a un pasteur. Enfin, on avait. Oh! Mais son pasteur l'aimait. C'est un pasteur assistant. Son pasteur l'aime, son pasteur l'approuve. Mais quel que soit ce que fait son pasteur. Non, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Bon, déjà, tu sais, un homme dit à un homme, je t'aime, c'est compliqué. Moi, je suis d'accord pour dire d'abord, premièrement, ma femme. Oh, j'aime ma femme. Tu n'as pas idée comment j'aime ma femme. Oh là là. Ah non. Je suis un homme plus amoureux de ma femme qui a 23 ans quand on s'est marié. C'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais quel... Bref. Comme je n'ai pas envie de t'énerver, mais je suis tellement... Non, parce que tu sais, tout le monde ne se réjouit pas avec ceux qui se réjouissent. Hein. Et des soeurs qui entendent ça là. Ah bon, hein? On va voir. Donc, comme il y en a qui font ça sur les réseaux sociaux, donc du coup, il y a des soeurs, dès qu'un homme... C'est pour ça que quand tu n'es pas établi, solide, mature, on ne va pas te parvenir sur les réseaux sociaux, ma femme, mon mari. Parce qu'il y a des femmes qui, quand elles voient ça, elles disent, ah bon, il aime sa femme, hein? OK. Il y a des gens comme ça qu'on a attrapés, on a piégé. La femme étrangère, le serpent à son est venu. Mais ma petite, si tu veux faire ça avec Castanou, aïe. Fais ça avec les petits plaisantins sur Internet, là. Il dit, je t'aime ma femme, alors qu'il ne connaît même pas c'est quoi aimer. Tu ne sais même pas c'est quoi aimer, tu ne sais même pas. Enfin bref, on va parler là-bas. Bon, ouais, tu vois, maintenant, je ne sais même plus de quoi je parlais. Alléluia, gloire à Jésus. Mais je bénis Dieu pour ma femme. Une femme qui ne te donne pas des maux de tête. Hey, yaha! Shalom Kotos. Ah! Que Dieu t'accorde la même grâce. Hein, quelqu'un a dit que ton pasteur est un aperçu avant l'impression de ton propre futur. Donc, que la grâce qu'il y a sur mon mariage vienne sur ton mariage présent et futur. Et là, tu deviens un témoin. Ce n'est pas les comédiens, les hypocrites, les acteurs que tu vois sur Internet. Là. Hey, je vous en supplie, faites attention aux réseaux sociaux. Vous ne savez pas. On se marie, on affiche. Ne va pas liker ça. Tu ne sais pas. Je t'en supplie, mets pas ta crédibilité dedans. Après, tu vas dire, oh, c'était ça. Okay. Pardon. Ok. Regarde comment le rejet... Ah oui, je parlais du pasteur. Oui. Hein? Oui, il dit à son pasteur, tu m'aimes pas, tu m'as jamais dit que tu m'aimes. Ah! Moi, je dis à ma femme, je dis à mes filles. Je suis un homme quand même. Un homme dit à un homme, je t'aime. Moi, je dis, bon, love you, bro, love you, son. Hein? Ouais. Pour dire à mes filles, je peux dire. Mais tu sais, nous, les hommes, on a un langage, quoi. Tu vois, quand on veut dire je t'aime, on dit, yo, allez, top. Un homme qui vient te quitter, t'écrit, je t'aime. Hey! Oh, ma homme, là. Shalom Kota, balilie. Mais le pasteur a tout fait. Quoi qu'il fasse, comme Judas. Le rejet est terrible. Non seulement il te démolit ton estime personnelle, il te détruit ta confiance, il te détruit ton estime personnelle. Hein? Moi j'ai vu des femmes avec des yeux verts. Aïe! Elle dirait Coca-Cola chef comme ça là, façon là. Hein? Elle dirait. Mais elle te dit, je ne m'aime pas. Et j'avais dit, je ne t'aime pas non plus, vraiment. Mais c'est pas leur faute, c'est leur rejet. Ils polluent les gens. Toujours en train de demander l'amour. Et le rejet.
ne va pas t'empêcher de servir. Mais quand tu as le rejet, comme Judas, il a grandi dans le rejet. Regarde. Juste parce que Jésus, tu connais l'histoire. Juste parce que Jésus a approuvé et a célébré la femme avec le vase d'albâtre. Hein? Tout le monde a eu ça. Tout le monde a vu la même scène. Lui, ça l'a offensé. Jésus a dit, Matthieu 26, 13 à 15, pour ceux qui ne savent pas, il y en a toujours qui ne savent pas. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Jésus a encensé la femme qui est venue avec le vase d'albâtre. Et la Bible dit au verset 14, alors, ça veut dire qu'il y a un lien avec le premier texte, le verset précédent. L'un des douze, appelé Judas, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et lui, vous me donnez combien? Je vous le livre. Mais pourquoi tu vas livrer quelqu'un avec qui tu marches depuis 3 ans? Tu es content de marcher avec lui. Tu n'étais rien. C'est lui qui t'a fait découvrir. C'est lui qui t'a révélé. C'est lui qui t'a marié. C'est lui qui t'a habillé. C'est lui qui a tout fait pour toi. Et tu vas aller trahir quelqu'un qui a tout fait. Ce que tu es et ce que tu as, tu dois à lui. Mais juste cette séquence. Jésus a encensé la femme. Il les a réprimandés. Il a encensé la femme. Et quand il a fait ça, une voix, la voix du rejet, lui a dit, tu vois, tu le sers depuis 3 ans. Tu as dit depuis 3 ans. Je t'avais dit, personne ne t'aime. Et tu viens d'avoir la preuve que Jésus aussi ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Mais non, Jésus n'a pas rejeté. Jésus n'a pas rejeté Judas. Jésus a rejeté sa proposition. Mais la voix là lui dit, non, c'est toi qui l'as rejeté. Un menteur. Parce qu'on désapprouve toi, pas toi, ton choix. Parce qu'on t'a réprimandé. Une voix te dit, tu vois, ici aussi on ne t'aime pas. Faut partir de là. Il n'est pas seulement parti de là. Il a trahi Jésus. Parce que quand cette voix lui a dit, tu vois, donc du coup, une déception. Oh, il a reproduit ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait. Oh, tu n'es, il n'est pas mieux. Et la voix lui a dit, regarde, il n'est pas mieux. Vends-le. Et puis, il soudainement pris par une colère, je vais le vendre. Mais il a regretté après. Mais cette forteresse, parce que la Bible dit, dans Luc 22, 3, oh, Satan entra en Judas. Si Satan est entré, ça veut dire qu'il y avait une porte. La porte, c'était le rejet. Dieu m'a dit, hein, quiconque garde la forteresse du rejet dans son cœur va servir. Et comme il va servir, il va grandir en responsabilité. Mais un jour, il ne sait pas, sans prier, sans être prophète, je peux te dire, même si je le suis, je peux te dire, sans prière, je n'ai même pas besoin de demander le discernement, quelqu'un qui a le rejet va trahir. Va trahir les gens qu'il aime. Ce n'est pas qu'il ne les aime pas, il les aime. Mais un jour, la forteresse va te tellement, juste à cause d'un choix que tu n'as pas approuvé. La voix va te dire, c'est toi qui l'as rejeté, alors que ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi aucune forteresse, toutes sont des pièges, ne doit être tolérée. Tu dois toutes les dégommer, les démolir. Et celles qui ne sont pas encore renversées, seront renversées au nom de Jésus. Je n'aime pas le petit de ton petit amen. Bon, maintenant, tu dois quand même comprendre une chose, mon ami, mon frère, ma soeur. Tu dois quand même comprendre une chose. C'est que le diable, il est rusé. Il est malin. Le gars, on l'appelle le serpent ancien. Deux choses. Serpent, ça veut dire séducteur, trompeur, menteur. Mais ancien, ça veut dire qu'il a de l'expérience. Il est là longtemps. Depuis longtemps. Avant que Adam même ne soit créé, il était déjà là. Donc, le gars, il a de l'expérience. Il faut arrêter de le sous-estimer. Donc Dieu m'a dit, mais vous pensez que, il sait que quiconque a les âmes de Dieu va le démolir. Tu penses qu'il va te laisser prendre les âmes de Dieu comme ça? Ah non, le gars est rusé, il est ancien, comment il est? Mais il a fait ça avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va du coup empêcher les soldats de prendre les âmes. Donc il va localiser les 7 âmes qui servent à le détruire. Et puis il va empêcher toi et moi de prendre les âmes. Mais par sa grâce, il a échoué. Et la cible numéro 1, qui va toujours localiser, viser dans ta vie. On l'a dit, et je reviens en arrière dessus, ça sera toujours numéro 1 sur la liste, ta vie de prière. Ou je dirais, la qualité de ta vie de prière. Ta capacité à te tenir dans la présence de Dieu.
C'est ça qui va combattre de tous les moyens. Par tous les moyens. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il sait que quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu, qui a une communion avec Dieu, on a vu la dernière fois, non seulement il est fort, mais il est comme un lance-missile. Il n'est pas comme, c'est un lance-missile de longue portée, capable d'atteindre n'importe quel hôtel qui parle sur la planète. De l'autorité sort de la vie de prière, évidemment aussi de l'obéissance. Obéissance associée à la vie de prière. Quelqu'un me suit, dit amen. C'est pour ça qu'il attaque toujours en premier ta vie de prière. Et la vie de prière, les amis, c'est un des domaines où la plupart d'entre nous sont rarement satisfaits sur une longue durée. Quelqu'un me suit? On peut être content aujourd'hui d'avoir une dynamique, d'avoir atteint un seuil dans la dimension, la vie de prière. Mais la vie de prière, là, c'est l'un des domaines où la satisfaction, la jouissance, là, ne dure pas toujours longtemps. Parce que tu peux atteindre un sommet et tu ne comprends pas comment, brusquement, après quelques... Le premier jour, là, ça va. Hein? C'est comme quand tu fais les campagnes de prière. Tu es chaud, bouillant. Mais après, c'est comme si tu tombes du 20e étage, quoi. Bah, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? J'étais au top. Je sentais Dieu et brusquement, on dirait maintenant, tu es devenu un hippopotame. On dirait un éléphant. Prier devient lourd. Ça devient un combat. C'est pour ça que, pour la plupart d'entre nous, l'Esprit me disait, c'est rare de continuellement être satisfait de ta vie de prière. Est-ce que quelqu'un s'identifie un peu à ce que je suis en train de dire? Parce que tu as atteint des sommets et c'est comme si après tu... Quelqu'un a déjà atteint des dimensions de prière et puis il a l'impression qu'on dirait qu'il a déringolé. Hein? Pas toi, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? En tout cas, peut-être pas toi, mais moi, parce que vous savez, des fois on dit des choses, j'aime bien que les gens m'envoient des messages. Je sais, pasteur, qu'à cette heure-ci, tu es en prière. Je sais qu'à cette heure-ci, tu es en train de préparer ton message de dimanche. Et non, pas du tout. Parce que la réalité, c'est que, tu vois, le message d'aujourd'hui, là, que je te donne, là, ma femme est là, jusqu'à 23h, je n'ai pas de message. Fatigué, j'ai beaucoup donné la semaine. Mais ce n'est pas à cause de ça, je ne sais même pas pourquoi. Mais Seigneur, pourquoi tu prends du temps pour me parler? Je ne comprends pas. Pourquoi tu attends toute la journée? Seigneur, je suis là, j'attends, mais donne la parole. J'ai ton gars. Je suis allé dormir à 23h. Je me suis réveillé à 2h. Et depuis 2h, je n'ai pas dormi. Là où tu me vois, là, je n'ai pas dormi. Hein? Parce qu'il fallait que j'entende Dieu. Je n'entendais pas. Toute la semaine là. Hey. Mais c'est même la semaine d'avant. Alors toi, tu dis, ouais, le pasteur, je vais te décomplexer. Hein? Ah non, à cette heure-ci, là, lui, se réveille à 4h. Ça, c'est ma volonté, tu comprends, non? Mais la réalité, ce n'est pas ça. Je peux faire ça 5 jours, une semaine, 2 semaines. Mais il y a toujours des moments où on dirait que c'est comme si... Maintenant, je me lève le même matin, là. C'est comme si tu as des hippopotames multiples qui viennent sur toi et te disent, reste au lit. Et tu veux te réveiller, mais tu sens une lourdeur. Boum! Et quand je vais prier, tu sens, tu bailles. Tu dis, oh! Et quand je baille, là, je réprime l'esprit d'assoupissement. Et quand je dis ça, là, je sens encore que ça a été multiplié par deux. Mais c'est quoi ce truc-là? Ça m'arrive, moi. On n'est pas toujours à 100% au top. C'est pas vrai. Hein? Non, rassure-toi. Je sais que toi, tu as ça. Sauf que tu penses qu'il n'y a que toi. Non, on est tous dedans. Nous tous. Nous tous, on est combattus. Nous tous, rassure-toi, décomplexe-toi. Nous sommes tous exposés au même combat. Des fois, ça m'énerve. Et quand c'est comme ça, tu te réveilles, tu commences à prier. Moi, j'ai besoin de prier au moins 3 heures. Donc, quand je n'ai pas prié 3 heures, des fois, même au bout de 1h30, je me dis, mais c'est quoi ça? Et je me réveille 1 heure plus tard, je dis, oh non! Oh non! Il m'a dit, c'est pas grave. Mon message d'aujourd'hui,
je suis venu te déculpabiliser et te délivrer du découragement. Nous, personne n'est épargné. On n'est pas toujours à 100%, c'est pas vrai. Parfois, tu as juste besoin de te décompresser un peu. Mais en fait, la vérité, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que le diable est le serpent ancien. Il ne va pas te laisser prendre les armes de Dieu comme ça. Il va. C'est pour ça que la lourdeur spirituelle, c'est la première cible de Satan. Ce n'est pas que tu es possédé. C'est juste que parfois, tu sens ta chair. Il y a la chair. Il y a le monde. Et puis, il y a les démons. C'est comme s'ils viennent. Et puis, ils lancent des traits enflammés là-haut. Tout le monde passe par là. Tout le monde. Je suis venu te partager comment on sort ça, comment on gère ça. Voilà. Comment on gère ça. Le diable sait. Pourquoi il commence par la vie de prière? Parce qu'il sait que ta capacité à te tenir dans la présence de Dieu. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de faire des récitations bêtes là, religieuses là où hein, tu fais une prière une fois, tu répètes la même prière 10 000 fois. Tu as remarqué que quand tu es sorti de là, ça ne t'a rien fait. Moi je parle de la prière où quand tu es rentré dans le lieu secret et tu as communié avec le Père, tu sens qu'il y a eu une interaction. Dans tes bras, dans tes bras. Ah, d'amour, je parle de ça. Là où tu sais, tu sens, dans tes... Tu l'as connecté avec le Père. Tu as fusionné avec le Père dans le lieu secret. Et quand tu sors du lieu secret, tu sens. Parce que le lieu secret, se tenir dans la présence de Dieu, c'est la seule clé pour que ton homme intérieur, ton esprit, c'est toi l'esprit dont je parle, sois fort. Ça vient du lieu secret. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il va tout faire pour t'empêcher d'aimer le lieu secret. Il va combattre ton zèle pour le lieu secret. Il ne va pas te combattre des récitations. Père céleste, tu es bon. Non, pour ne pas fâcher. Donc, tu vois, non, j'invoque maintenant une prière. Ta miséricorde durera toujours. Fais ça. Tu es pur. Merci. Adieu. À plus tard. Mais ça là. Tu as décidé, mais il n'y a rien dedans. Moi, je parle des prières, on a fusionné, collecté. Ça, c'est la grâce dans laquelle tu es rentré, là, mon frère, ma soeur. La grâce de la rencontre, la fusion, l'expérience, l'embrasement, l'attouchement divin. Tu sais que tu transportes Dieu. Dieu est dans la place. Ah! Ça, c'est pendant les 72. Mais après les 72, là. 72 heures après les 72. C'est là que l'hippopotame revient encore. Sans effet, fire! J'ai dit fire, mais la réalité, c'est pas fire. La réalité, c'est que tous les fire là n'empêchent pas. Non, mais excusez-moi, je suis le seul là, ou je suis le seul où il y a quelqu'un qui s'identifie là. Hein? Ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc, je suis venu te libérer. Hein? Ne te décourage pas, ne te culpabilise pas. C'est ça qu'il m'a dit de te dire. Ne t'inquiète pas. C'est normal que tu sois combattu par la lourdeur parce que le diable qui redoute. Parce qu'il sait que ta vie de prière, c'est le secret pour que ton homme intérieur soit fort. Le diable sait. Il sait que c'est dans la présence de Dieu que tu es fortifié par le ministère des anges. Dans Luc 22, verset 43. Pendant que le Seigneur était en train d'agoniser dans le jardin de Gethsémané, allant vers son destin, il est écrit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est quand tu te tiens dans la présence de Dieu, en prière, que les anges affectés à ta protection peuvent te fortifier. Il y en a, ils ne sont pas fortifiés, ils se sentent faibles. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu, ils restent dans la présence de Dieu. Mais tu seras, la force ne viendra pas, hein? La force vient dans ton âme intérieure lorsque tu restes dans la présence de Dieu. Et le diable va tout faire pour te sortir de cette présence. Qu'il échoue lamentablement au nom de Jésus. Dis Amen. Tu as besoin de la force. Ton esprit a besoin d'être fort.
Je t'ai dit, un esprit qui n'a pas de force, c'est comme un corps spirituel. C'est ça l'esprit. Qui n'a pas de force, c'est comme un corps physique qui n'a pas de force, qui est malade. Il ne peut rien faire. Ta capacité à ne pas tomber en tentation dépend de la force que tu manifestes, que tu as en toi au jour de la tentation. La connaissance des Écritures ne te préserve pas de la tentation. C'est la prière. C'est la dimension de force que tu as accumulée par la prière qui, au jour de la tentation, te préserve de tomber en tentation. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Luc 22, 46, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, priez, priez !» C'est quelqu'un avec moi qui dit « Amen ». Et quand le Seigneur me parlait de ça, donc tu vois, tout ce que je te dis là, il m'a dit ça, c'est moi ce matin là. Et j'ai dit, Seigneur, ce matin, je dois recevoir, relire. Mais Dieu est bon. Hein. Dieu est bon. Il m'a dit, voyez, on a une mauvaise compréhension de tomber en tentation. Il te faut la force. Mais on a une mauvaise compréhension de tomber en tentation. Lorsque Adam et Ève sont tombés en tentation, Satan les a fait tomber. La Bible ne dit pas qu'ils sont allés voler, ils sont allés mentir. Ce n'est pas ça qu'il est écrit. Hein. Il est juste écrit que tous ont péché et ont raté et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque les disciples, Jésus leur avait dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et comme ils n'ont pas veillé et prié, surtout prié, les disciples, tous les disciples sont tombés en tentation. Sauf que quand tu lis la Bible, je dis ça parce qu'on a une notion de tomber en tentation. Les gens pensent que les gens voient tomber en tentation comme tomber dans un péché grave. Pasteur, je suis tombé. Je reconnais, tombé dans l'impudicité, je suis tombé dans l'adultère, je suis tombé. Ah, j'ai volé, là je suis tombé. Ah, Seigneur, pardonne-moi, je suis tombé. Donc, pour ça, ils demandent pardon. Mais ils ne discernent pas le nombre de fois où ils sont tombés en tentation, mais ils n'ont pas demandé pardon. Et chaque fois que tu ne demandes pas pardon, tu ne donnes pas à Dieu l'occasion de te relever de là où tu es tombé. Tant que tu ne demandes pas pardon, tant que tu ne reconnais pas que tu es tombé et que tu ne cries pas à Dieu, il ne te donne pas la grâce de te relever puisque tu n'as pas reconnu que tu es tombé. Et tu n'as pas idée de comment des gens tombent sans savoir qu'ils sont tombés. Parce que quand les disciples sont tombés dans la tentation, ils ne sont pas allés coucher avec des femmes. Tu n'as pas dit qu'ils sont allés voler. Tu n'as pas dit que les disciples sont allés coucher, commettre l'impudicité. Non. Mais là, à quoi tu reconnais qu'ils sont tombés? C'est simple. Ils avaient promené avec Jésus. Même quand il fallait ressusciter Lazare, ils ont dit, allons, les Juifs cherchaient à te faire mourir, tu retournes encore là-bas, allons mourir avec lui. Ils étaient loyaux. On est ensemble. Mais comme ils n'ont pas prié, le jour où Jésus a été arrêté, des gens qui étaient loyaux l'ont abandonné. Des gens qui étaient courageux sont devenus des peureux, des trouillards, des moulards, des fugitifs. Alors Dieu m'a dit, des gens qui étaient courageux, quand ils ont vu que Jésus était arrêté, ils se sont découragés. Il m'a dit, est-ce que tu sais que quand hier tu étais courageux et qu'aujourd'hui tu t'es découragé, est-ce que tu sais que tu es tombé? Quand hier tu avais la foi, aujourd'hui tu as peur. Est-ce que tu réalises que tu es tombé? Quand hier tu avais l'amour, aujourd'hui tu as la haine. Est-ce que tu sais que tu es tombé? Parce que la plupart ne savent pas qu'ils sont tombés. La plupart ne savent pas, ne reconnaissent pas qu'ils sont tombés. Quand tu as la haine, le ressentiment, la colère, au lieu de dire, Seigneur, je demande pardon parce que je suis tombé en tentation. Non, Seigneur, ce n'est pas moi. S'il n'avait pas fait telle chose, tu n'allais pas être comme ça. Donc tu es en train de dire à Dieu, tu es en train de contredire tout le message que tu as appris sur les forteresses. Reconnais que tu es tombé. Aïe, aïe, aïe. Ils l'ont juste abandonné. C'était la preuve qu'ils étaient tombés. La peur, tu es tombé. Découragé. Oh, mais c'était lui qui devait sauver Israël. Tu es tombé. Alors quand tu es tombé, humilie-toi. Demande pardon. Et refuse de rester là.
Là, commence par dire, non, mais je suis tombé, c'est pas ma faute. Mais si, quand tu es tombé, c'est toi qui es tombé. Est-ce que l'autre est tombé? Non. À la preuve, tu dis, c'est pas ma faute. C'est toi qui es tombé. Demande pardon, c'est toi. Au moins, tu es responsable, même si tu n'es pas fautif. Tu es responsable d'être tombé. Tu n'as pas gardé ton cœur. Et tu as été vidé. C'est terrible, hein? Comment beaucoup de gens tombent et se font emporter par le dragon, puis ne se rendent pas compte. Et tu veux expliquer? Non, je vais t'expliquer, pasteur, pourquoi j'ai de l'amertume. Si mon mari n'avait pas fait ça, là, il n'y aurait pas l'amertume. Ma soeur, tu es tombée. Humilie-toi, crie à Dieu, demande à Dieu la grâce de te relever. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Laisse tomber, on va avancer. Dis seulement amen et puis on avance. À quoi tu sais qu'ils sont tombés en tentation? Des pêcheurs d'hommes, c'était leur destin. Sont retournés à la pêche aux poissons. Alors Dieu m'a dit, est-ce que tu réalises que lorsque... Autrement dit, des pêcheurs d'hommes qui retournent à la pêche aux poissons, ça veut dire que leur destinée n'est plus leur priorité. Leur priorité, c'est maintenant to make a living, essayer de se battre dans la vie pour survivre. Frère, se battre dans la vie pour survivre, ce n'est pas accomplir son destin. Ouais, mais il faut bien qu'on vive comme le maître n'est plus là. Ce n'est pas son destin. Tu as été créé pour un but. Alors Dieu m'a dit, est-ce que tu réalises que lorsque ta destinée n'est plus ta priorité, le but pour lequel Dieu t'a créé, qui correspond à la volonté de Dieu pour toi, lorsque le but de Dieu n'est plus ta priorité, est-ce que tu te rends compte que ça veut dire que, comme le disciple, tu es tombé en tentation? Parce que le but du tentateur, ce n'est pas de t'empêcher de travailler, c'est de t'empêcher d'accomplir ton destin. C'est seulement quand tu es en train d'accomplir ton destin que dans le monde invisible, ta lumière brille. Alors, je vais le redire différemment. Ta lumière ne brille pas parce que tu es sur les réseaux sociaux et que tu es connu. C'est pas la lumière. Ah, oh, j'aime ça, hein? C'est pas mal, non? Ta lumière ne brille pas parce que tu as la notoriété, non! Ta lumière ne brille pas parce que tu as une position importante, non! Ta lumière brille lorsque le dessein que Dieu a formé sur ta vie, c'est ça que tu es en train d'accomplir. Ah ouais! Ne brille pas parce que tu te maries. Ce qui brille, ce n'est pas la lumière. Ce sont les spots. Les jeux de lumière, ça brille. Mais pas la lumière invisible. Ta lumière brille lorsque les choix, les décisions que tu prends correspondent exactement au projet que Dieu voulait pour toi dans cette saison. C'est là. La notoriété, ce n'est pas la lumière, mon frère. Ça te donne l'opportunité de faire briller ta lumière, à condition que tu t'en serves pour faire le bien et pas pour attirer plus de fans seulement, mais pour vraiment faire la volonté de Dieu. Vous savez, le cœur de l'homme est compliqué. Hein? Enfin bon, laisse tomber. Tu me suis, tu dis amen. Alors Dieu m'a dit, est-ce que tu sais que lorsque ta destinée n'est plus ta priorité, tu es tombé. Tu es comme les disciples. On a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Ta vie doit influencer ta génération. Mais toi, maintenant, ta priorité, c'est la pêche aux poissons. Et je ne vous cache pas que très souvent, je suis préoccupé. Pas un pas sans toi. Je suis préoccupé par tous les gens que je vois qui viennent me dire, m'annoncer, pasteur, ah, je pars à tel endroit, je change de ville, je change de pays, parce que là-bas, il y a des meilleures opportunités professionnelles. Et je vous assure, si moi, c'était ma motivation, ça fait longtemps que moi, j'aurais fui la France. Parce que si on parle de perspectives professionnelles, financières,
ministériel. Ici, là. C'est compliqué. Mais ici, tout est compliqué. Il y a des pays dans le monde. Les autres pasteurs ailleurs, là. Un peu, tu peux tout. Il n'y a pas de pas là. Ici. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais si les décisions et les choix que tu fais, tu les fais en fonction des perspectives de carrière. Ah, je vais à tel endroit parce qu'on m'augmente un salaire. On me donne un salaire deux fois plus important. Dieu m'a dit, chaque fois que ta destinée n'est plus ta priorité, tu es tombé. Parce que ta priorité ne doit pas être quel salaire tu gagnes. Ta priorité ne doit pas être où est-ce qu'on paye mieux. Ta priorité, ça doit être, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Donc, si tu viens m'annoncer que je change d'endroit, ma question c'est, est-ce que tu as pris le temps nécessaire pour crier à Dieu, supplier Dieu, révèle-moi ta volonté. On me propose d'aller là. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Même quand tu vas aller en voyage, la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Ça, c'est Proverbe 16, verset 3. Il est encore écrit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Est-ce que tu prends le temps de crier à Dieu pour lui recommander chaque choix, chaque décision? Est-ce que tu prends le temps de le supplier? Ne me laisse pas là où tu n'es pas. Ne me laisse pas aller là où tu ne vas pas. Ne me laisse pas être motivé par ce qui ne te motive pas. Ne me laisse pas avoir un cœur qui n'est pas ton cœur. Ne me laisse pas suivre des voies qui ne sont pas tes voies. Ne me laisse pas travailler à des projets qui ne sont pas tes projets. Je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Sans toi, je ne peux pas discerner. S'il te plaît, ne me laisse pas. Ne me laisse pas poursuivre des mirages, parce que ces choses sont des mirages. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas aller où tu ne vas pas. Ne me laisse pas faire ce que tu... Est-ce que tu prends le temps de crier à Dieu? Est-ce que tu prends le temps de supplier Dieu? Ma femme me disait hier, mais ce qui est terrible, j'ai tellement de messages que je pourrais donner. J'ai tellement de messages. J'ai transpiré toute la journée d'hier. J'ai prié 2h30 le matin. Ça, c'est samedi. Après être rentré à la maison à 2h. Parce que j'ai prêché à XCC Luxembourg. Le corps fatigué. Et j'arrive la journée, j'ai rien. Ma femme me dit, mais tu te rends compte? Il y en a, ils prennent un message, bon, je vais parler de ça, mais je ne peux pas. Tu vois, regarde, je parle sans note. Pourquoi? Parce que ce que je te dis, je l'ai entendu. Je ne peux pas aller dire ce que je n'ai pas entendu. Je ne peux pas. Il faut qu'il parle. Il faut que j'entende. Et si je n'entends pas, je ne peux pas parler. Quelqu'un me dit, mais donne-moi un message que tu as donné. Mais j'ai dit, mais c'est pas ça qu'il m'a dit. Je dois entendre avant de parler. Je ne peux pas aller parler comme ça aux gens. Parce que quand tu parles sans avoir entendu, tu manques de jus, tu manques de conviction, tu manques d'impulsion. Les gens ne... Le feu n'est pas relâché parce que tu parles. Le feu est relâché parce que tu dis ce qu'il a dit de dire. Et là, alors, les gens disent, mais il y a un feu. Le message était simple. Mais il était simple. Mais quelque chose me pénétrait pendant qu'il parlait. C'est pas lui, c'est le feu de l'approbation divine qui était relâché derrière la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie, il y a la lumière. Et la parole est un feu. Ce n'est pas ta parole de motivation qui est un feu. C'est la parole que Dieu te demande de parler, de répéter, qui est un feu. C'est pour ça que tu peux faire du coaching, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu prends l'argent. Même si tu ne prends pas l'argent, tu prends l'argent. Ce n'est pas ça. La différence... J'essaie de t'emmener plus haut. Je vais t'emmener plus haut. Même quand je sais faire la formation, ça, mes fils et mes filles, là, à l'école, là, ici, à ICC, ils ont appris ça. Même quand c'est la même formation, à chaque fois, tu dois venir devant Dieu, supplier Dieu. Pas un mot sans toi, pas un mot, pas une parole sans toi. Pas une parole sans toi, pas un choix sans toi, pas un choix, pas une association sans toi, pas un,
pas une relation que tu n'aies approuvée. Rien, je t'en supplie. Parce que ma protection n'est pas dans mon onction, elle n'est pas dans mon titre. Tu peux t'appeler apôtre, prophète, docteur. Laisse-moi te dire une chose. La protection, Jonas était prophète, hein, et un grand prophète. Parce que Dieu n'a pas envoyé un petit prophète à Ninive. Il fallait un grand prophète, un haut gradé. Parce que par sa seule prédication, toute une ville s'est convertie. Ça, ce n'est pas un petit plaisantin. C'est un haut gradé. Mais laisse-moi te dire une chose. Prophète, apôtre, haut gradé, général. Mon frère, ma soeur, j'ai appris une chose. Tant que tu ne peux pas aller à Tarsis, là où Dieu n'a pas dit d'aller, là où toi tu veux aller, alors que Dieu te veut à Ninive, tu ne peux pas aller à Tarsis et dire, Seigneur, accompagne-moi à Tarsis, viens avec moi. Tu chantes, tu pries, mais cette prière ne sera jamais exaucée. Cette prière ne sera jamais agréée. Et Dieu ne va jamais t'accompagner parce que sa volonté pour toi, c'est Ninive. Tarsis, c'est là-bas. Ninive, c'est là. Dieu ne t'accompagne que lorsque tu es dans le couloir de ta destinée, de sa volonté. Quel que soit ton rang, quel que soit ton titre, que tu sois le plus grand pasteur, ta protection est dans ton obéissance. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi on peut être un grand homme de Dieu. Et puis juste parce qu'on n'a pas écouté, on est allé sans Dieu, on a fait sans Dieu. Chaque fois qu'on va sans Dieu, on fait sans Dieu. On n'a pas de protection. Il est en moi, mais il n'est pas avec moi. Je suis livré à moi-même. Et là, je suis une cible. C'est pour ça que moi, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, je supplie Dieu. Frère, tu vas t'appuyer sur le fait que non, je suis une autorité, Dieu m'a établi dans la francophonie. Frère, ça là, si je ne marche pas, je ne découvre pas, et je dois lui demander, je dois supplier, je ne sais pas toi. Toi, tu m'annonces que toi, ah moi je vais dans tel pays là-bas, on me propose deux fois plus. Est-ce que tu as crié, supplié, imploré, gémi, genou, flexion, genouologie, jusqu'à ce qu'il te donne le témoignage intérieur? Je suis avec toi. Jusqu'à ce qu'il rende témoignage à ton esprit de ce qu'il est avec toi. Est-ce que tu as atteint cette dimension-là avant d'aller? Parce que je te promets une chose. Si tu vas sans lui, juste parce que les plaines étaient verdoyantes, l'autre a regardé les plaines. Il a dit, ouh, ça c'est le futur. Là-bas, je voudrais m'établir là, à un bel endroit. Il est parti. Il ne savait pas que cet endroit-là allait devenir Sodome et Gomorrhe. Je me suis tellement cassé la figure déjà. Je n'ai pas fini. Ça arrive, il y aura d'autres. Mais il m'a dit, fais de la découverte et de l'accomplissement de ma volonté ta priorité. Parce que ma volonté, c'est ta protection. Est-ce que tu as pris le temps de supplier Dieu? Est-ce que tu prends le temps de dire, Seigneur, s'il te plaît, si tu n'y vas pas, ne me laisse pas y aller. Si tu n'aimes pas, ne me laisse pas aller. Si tu n'aimes pas, si tu n'agrées pas ce conjoint-là, cet homme-là, ne me laisse pas m'associer. Il y en a qui ont s'associé légèrement. Ah non, mais il est bien. Ne jugez pas selon l'apparence. Ah, oh, il a l'air bien, il a l'air bien, il parle bien, c'est une bonne famille. Hey! Il y a des gens qui ne sont pas de bonnes familles, mais qui vont créer par leur histoire une bonne famille. Ah, oh, shalama. Dekotosiha. Le katariaba. David n'était pas né d'une bonne famille, inconnu au bataillon. Une histoire compliquée, mais David, à partir de lui, a commencé une grande famille. La famille des héritiers, la famille des hommes pour lesquels Dieu a dit, des femmes, j'ai trouvé. Dès que Dieu a trouvé, il dit, maintenant je te construis une famille. C'est moi qui te construis une famille. Chakata la bokosia. Et une postérité.
ne juge pas selon ton apparence. Toi, tu connais quoi? Toi, tu vois le futur, toi? Tu as le discernement des choses à venir. Tu arrives à voir dans 20 ans? Tu arrives à voir? Non, Dieu voit. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie pour ta perte. Satan te visite par des gens, Dieu te visite par des gens. Il faut demander à Dieu. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas y aller. Ne me laisse pas m'associer. Ne me laisse pas devenir partenaire d'affaires si ce n'est pas toi. Il y a des associations d'affaires qui ont amené l'enfer d'affaires en enfer. Ah, pas mal ça. Ta priorité, c'est ton destin. C'est la seule. Je te le redirai autant de fois que nécessaire. Parce que j'ai beau le dire, je sais que ça rentre toujours pas. Quand on voit de la manière dont tu fais tes choix, là. Elle est pas mal, hein. Elle est... Alors, parce que moi, je cherche une belle sœur, une femme belle, belle de figure. Pourtant, alors, pourtant, il y en a une qui est bien là. Oui, mais elle n'a pas. Elle n'a pas. Ah, tu veux quelqu'un qui a tout, tout, hein? Ok. Toi, tu as tout, toi? Toi-même, là. Grosse tête, là. Ta tête, elle ne le jette tout. Toi, tu as tout, toi? Comédien. Arrête de fatiguer les gens. Ouais, mais moi, pasteur, moi, ouais. Ouais, quoi? Miséricorde. Va prier, va chercher Dieu. L'Esprit m'a dit ce matin, lorsque tu accomplis ton destin, être là où il te veut, pas toi, pas là où toi tu veux, ton âme veut, non, là où lui il te veut, lorsque c'est plus ton destin, tu es déjà tombé. Le problème c'est que tu ne te rends pas compte que tu es tombé. Et du coup, tu ne cries pas à Dieu qui te relève et qui te remette sur les rails de ta destinée. Ta destinée n'a pas de malheur, mon ami. Il y a des épreuves dans tous les domaines. Quelle que soit la trajectoire que tu prendras, il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des tribulations. Mais dans ta destinée, il y a la jubilation. Il y a la rémunération. Il y a la récompense céleste. Il y a le plaisir du Père. Dans tous les chantiers, il y a des épreuves, il y a des malheurs. Dans tout, quel que soit le chemin que tu prendras, il y a tout ça. Mais c'est terrible d'avoir des épreuves, des calamités, des souffrances, des brisements et tout ça. Et à la fin, aucune récompense. Oh! Ça, c'est quand ce n'est pas le destin. Alors moi, tous les jours, je dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas aller. Si ce n'est pas ton cœur, ne le laisse pas en moi. Si ce n'est pas ton projet, ne me laisse pas l'enfanter. C'est pour ça que je suis enthousiaste et tellement reconnaissant pour l'hôtel royal. Parce que l'hôtel royal, je sais que c'est lui. Et il a prouvé que c'est lui. Et donc je jubile parce que je sais qu'ensemble, on aura déjà laissé quelque chose dans notre histoire. Dans notre époque, ah, bien aimé, jamais vu. Un cachet, non. Il y a deux commandants de sapeurs-pompiers qui sont allés là-bas. Je vous l'ai raconté déjà. Deux commandants sapeurs-pompiers qui ont fait la visite. Pas officielle, hein, ils sont allés visiter. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais c'est quoi ce truc? Mon Dieu, mais qui construit ça? Qui construit ça? On n'a pas dit. Qui quoi? Les vidéos que je vous ai montrées, vous n'avez rien vu. Je vous dis, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Je vais te prévenir. Tu vas être choqué. C'est pas possible. Les sapeurs-pompiers, il y en a un qui a demandé, est-ce que je peux prendre ce bâtiment, me servir, vous me donnez l'autorisation de m'en servir pour enseigner ça à mes élèves à l'école. Je vais prendre ça comme un cas, case study, un cas d'étude pour montrer comment ça a été conçu. C'est tellement extraordinaire. Acclame Dieu. Une histoire est en train d'être écrite. Oh, parlez-y quand tu as Machala là-bas conseillant. Oh, nous te rendons grâce. Tu rends nos vies utiles. Et tu nous as fait enfanter ce qui était ta volonté pour notre époque.
n'est pas nous, c'est lui qui le fait à travers nous. Il m'a dit, si tu considères que lorsque ta destinée n'est plus le cœur de tes prières, le cœur de tes prières, toi, c'est quoi? Le travail. Demande-toi le travail, demande la destinée. La destinée consiste à travailler. Mais ça va être le travail que Dieu voulait que tu travailles. Et un travail qui va te donner tous les jours envie de te lever. Un travail qui va te faire jubiler, pas un boulet. Boulet, métro, dodo, pas ça. Ne demande pas un travail, ne demande pas le mariage, demande le destin. Et demande les personnes, demande les relations de ton destin, les associations de ta destinée. Ça demande. Ne demande pas le Seigneur, demande le mari, demande la femme, c'est quoi ça? Tu as appris à prier comme ça où? C'est ce que... Demande Dieu, demande-lui le destin, c'est ça sa volonté. Et tout ce qui est lié à mon destin, emmène-le à manifestation. Les autorités, les pères, les prédicateurs, les messages, pas les réseaux sociaux, les personnes de mon destin. Connecte-moi, les voix qui doivent parler de mon destin, connecte-les. Ce n'est pas les plaisantins que tu vois sur Internet, là, je me marie. Chikalabalazito ketelemana. Alors il m'a dit du coup, si je reviens, j'insiste, hein, si accomplir ta destinée n'est plus ta priorité, comme les disciples qui ont abandonné la pêche des hommes pour aller se réfugier dans la pêche des poissons, ça veut dire que la plupart des chrétiens sont tombés en tentation. Puisque la plupart des chrétiens ne font pas de leur destinée leur priorité. Je te laisse avec cette réflexion. La plupart des chrétiens sont tombés, mais ils ne savent pas. Ah Seigneur, aie compassion de nous. Pardonne-nous, relève-nous de nos chutes, Seigneur. Délivre-nous, aie compassion de nous. Le diable attaque ta vie de prière. Parce qu'il sait que quand ton homme intérieur est fort, obéir à Dieu exige la force. Prendre les armes de Dieu exige la force. Ne pas tomber en tentation exige d'être fort. C'est pour ça qu'il attaque ta vie de prière. Entendre Dieu exige la capacité à se tenir dans la présence de Dieu. Donc la prière. Je disais, obéir, pardonner, semer, honorer, aimer, faire tout ce que Dieu te demande de faire. Tu as besoin d'être fort. Quelqu'un qui est malade ne peut rien faire, il est faible. Quelqu'un qui spirituellement est malade ne peut rien faire. Donc pardonner, aimer, prier, tout ce que Dieu dit exige un homme spirituel fort. Voilà pourquoi le diable attaque d'abord la force de l'homme spirituel en attaquant la vie de prière. Mais ce matin, il m'a dit de te dire, ne t'inquiète pas si ta vie de prière est tout le temps attaquée. Il est écrit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ne culpabilise pas, ne te décourage pas. Chaque fois que tu te trouves trop faibli, parce que des fois c'est la culpabilité. Oui, mais pourtant avec tout ce que Dieu a fait pour moi, le pire c'est même quand Dieu t'a guéri. Au début tu es zélé, le lendemain tu es zélé pour prier. Une semaine après tu sens la lourdeur, mais tu dis, mais pourtant ce que Dieu a fait pour moi. Et du coup tu culpabilises. Il m'a dit, non, ne culpabilise pas. Ne te décourage pas. Que tu sois attaqué, c'est normal. Ne te culpabilise pas, ne te décourage pas. Mais en revanche, ne te résigne pas à te laisser vider, affaiblir. Ah non! Refuse! Même si tu as raté la prière aujourd'hui, tu as raté la prière demain, tu as raté la prière après-demain, tu as baillé, tu t'es assoupi, c'est pas grave. Le lendemain, réveille-toi encore. Et si le lendemain, c'est pas grave, prie encore. Même si tu as raté l'aurore, prie après l'aurore, prie la journée, enferme-toi, prie en esprit. Ne te laisse pas faire.
Connecte-toi à des atmosphères de prière prophétique. Mets le son autour de toi. Et surtout, joins-toi aux gens qui aiment la présence de Dieu. Joins-toi aux dynamiques de prière. Connecte avec ceux qui prient. Refuse. Quand tu sais que tu es en train de faiblir et tu n'as plus de vie de prière, ne fais pas partie des gens qui disent « Ah, vous allez, il y a la prière. Priez pour moi. » Non. Connecte. Parce que la grâce se communique. Le feu se communique. Ne culpabilise pas. Il m'est arrivé pendant 3-4 jours de dormir. Le matin, je n'arrive pas à me lever avant l'aurore. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais prier après l'aurore. Et après l'aurore, je peux prier 3 heures. Hein. Bon, moi, c'est normal. Hein. Moi, je suis... Je travaille depuis la maison. Je travaille beaucoup depuis la maison. Beaucoup de téléphone. Donc, toi, tu dois aller au travail. C'est pas grave. Au travail, prie en langue. Malarama. Il ne va pas te dire, ouais, mais tu devais te réveiller avant l'aurore. C'est pas grave. Je ne culpabilise pas. Pour ne pas lever avant l'aurore, Dieu sait que j'ai la volonté. Si je n'ai pas la capacité aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je vais me rattraper dans la journée. Prie la journée, prie dans le métro, prie dans la voiture, prie dans les transports. Mais prie, ne te tais pas, bats-toi, bats-toi. Et quand tu sens que tu te trouves affaibli, ce n'est pas grave. Connecte aux gens qui sont en train de prier. Viens nous rejoindre. Allez. Connais-toi, hook up, connecte-toi et puis accroche-toi, ne te résigne pas. Je finis avec la pensée qu'il m'a donnée. Il m'a dit, mais ce matin, il m'a dit, mais lorsque tu constates que, si tu constates qu'on est en train de pirater ton compte sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook ou je ne sais pas quoi là, on est en train de pirater ton téléphone ou de pirater ton ordinateur ou de pirater une application. Tu as vu quelqu'un, on est en train de le pirater, c'est-à-dire qu'on est en train de le vider, de vider ses infos personnelles. Tu as vu quelqu'un, on est en train de le pirater, quand, et puis il est là. Oh, je suis en train de le pirater. Oh, ça disparaît. Oh, le téléphone, tout part de mon téléphone, tout disparaît. Mais non, tu ne feras pas ça. Tu vas crier, au secours, faites quelque chose, à l'aide, quelqu'un, les techniciens. Tu vas te battre. Tu vas même prendre le téléphone, essayer d'ouvrir, de casser, de sortir la batterie. Tu sais pas, tu as fait quelque chose. Tu ne vas pas rester comme ça en regardant ton téléphone être vidé. Alors il m'a dit, mais si pour un téléphone, pour des données personnelles, tu es prêt à te battre, à chercher de l'aide, essayer de crier à gauche, à droite, comment peux-tu te taire quand le diable essaie de pirater ta force, essaie de pirater ta vitalité? Tu ne peux pas te taire, tu ne peux pas te taire. Alors demande de l'aide, agite-toi, bouge. Ne culpabilise pas, mais ne te résigne pas. C'est ce qu'il m'a dit de te dire aujourd'hui. Alors acclame-le. Acclame-le. La la malaro, si le malaro, si. Si elle est malaro, mille la. Shadada malaro, bossi, qu'elle est la mal. Shadada malaro, si. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi. Pardonne mes faiblesses. Pardonne-moi. Pardonne mes chutes. Non, je ne suis même pas conscient. Pardonne mes faux raisonnements. Pardonne-moi. Pardonne mes mauvaises priorités. Oh Jésus, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mes chutes. Pardonne là où je me suis détourné de mon destin. Pardonne là où je me suis laissé vider dans mon cœur. Pardonne pour me l'aide, pour m'être laissé vider. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne. Et compassion, Père de mes chutes. Pardonne-moi. Là où je suis tombé en tentation. Oh Jésus, pardonne. Pardonne pour les fausses excuses. Pardonne-moi. Pour les faux raisonnements. Oh Jésus, pardonne. Pardonne-moi pour les hauteurs. Pardonne-moi. Pour n'avoir pas pris les armes. Oh Jésus, pardonne. Pour m'être laissé séduire. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Oh Jésus, pardonne. Ne me laisse pas où je suis, non, non. Pardonne-moi. Tu l'as dit dans ta parole. Oh Jésus, pardonne. Cette fois le juste tombe, il se relève. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh Jésus, pardonne-moi.
relève-moi, relève-moi. Relève-moi, ô Jésus, relève-moi. Relève-moi selon ta fidélité. Relève-moi selon ta promesse. Ô Jésus, relève-moi. Ne me laisse pas à terre. Non, non, non. Relève-moi, ô Jésus, relève-moi. Ne me laisse pas être piraté spirituellement. Relève-moi, redresse-moi, restaure-moi. Relève-moi. Là où je m'étais égaré, là où je m'étais laissé vider, là où je m'étais laissé affaiblir, relève-moi. Relève-moi, oh Jésus, relève-moi. Dis donc, fortifie-moi, fortifie-moi. Là où je m'étais laissé affaiblir, fortifie-moi. Là où j'avais laissé mon âme être affaiblie, fortifie-moi. L'amertume m'avait affaibli, la colère m'avait affaibli, la peur m'avait affaibli, la jalousie m'avait affaibli, les critiques m'avaient affaibli, le ressentiment m'avait affaibli, la peur m'avait affaibli. Mais je t'en supplie, Jésus-Christ, fortifie. Ce matin je reconnais, fortifie. Ne me laisse pas où je suis ni comme je suis. Fortifie-moi, fortifie mon homme intérieur, fortifie mon cœur, fortifie mon cœur, fortifie mon être intérieur, affermi, fortifie mon cœur en toi, fortifie, je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Envoie ta force aujourd'hui. Je sors de la culpabilité. Je sors du découragement. Mais je refuse de me résigner. Fortifie. Cette fois le juste tombe. Seigneur, toi, dis-tu le relais. Fortifie. Chaque jour et chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, fortifie-moi, ô Jésus, fortifie-moi. Chaque jour et chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, fortifie-moi. Oh Jésus, chaque jour et chaque nuit, autant de fois que je tomberai, autant de fois que je faiblirai, fortifie-moi, je t'en supplie. Ne me laisse pas rester à terre, ne me laisse pas être vidé, épuisé. Oh non, je t'en supplie. Le diable essaie de me vider parce qu'il sait que c'est la force spirituelle qui vient par la prière. C'est le secret pour opérer dans le surnaturel. D'où vient depuis l'homme intérieur, d'où vient depuis le corps spirituel. Je t'en supplie chaque jour et chaque nuit. Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, fortifie-moi. La promesse que t'es. Chaque jour et chaque nuit. Les malades ont aussi les malades. Chez les malades, il est là, 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 là. Alors élève la voix pendant quelques instants et utilise tes propres mots pour dire à Dieu, ne me laisse pas là où je suis. Je sais qu'il m'arrivera de faiblir, mais à partir d'aujourd'hui, ne me laisse plus culpabiliser. Ne me laisse pas me décourager. Ne me laisse pas m'abattre. Accorde-moi la grâce d'être selon ta parole. Chaque cette fois le juste tombe, il se relève. Relève-moi à chaque fois que je faiblirai. Accorde-moi la grâce de rester bouillant, de rester zélé, de rester fervent, de ne pas me laisser pirater. Je ne me laisserai pas pirater. Je ne laisserai pas ma force pirater. Je ne laisserai pas mon zèle pirater. Je ne me laisserai pas agir. Ah non, attends, relâche ta grâce, envoie ta puissance. Il est écrit dans ta parole, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante, ou encore par la puissance de sa force. Je demande Père, que tu relâches la puissance de ta force, le Kratos de Tunamis, la puissance de ta force, relâche la puissance de ta force dans un homme intérieur, dans un cœur,
qui avait complètement pâli, faibli dans la vertu, la peur, le découragement, la tristesse, l'angoisse, l'impunicité. Oh, fortifie, je t'en prie. Oh, relâche la puissance de ta force. Que le faible ce soir, le faible cet après-midi, sort de là complètement fortifié en disant ça y est, je suis fort, j'ai été rechargé. Mais ta main, je te prie, quelqu'un est faible dans son corps, quelqu'un est faible dans son corps, c'est l'œuvre de la maladie, c'est l'œuvre des virus, c'est l'œuvre des infections, c'est l'œuvre des contagions, c'est l'œuvre des ténèbres. Oh, là où il y avait un corps affaibli, là il y avait un corps possédé, habité dans des douleurs. Abba, mets ta main, maraka seketaya. Relâche ta force, relâche la puissance de ta force. Étends ta main sur ce corps affaibli, sur ce cœur, cette âme affaiblie. Et que maintenant, au son de la voix de ton serviteur, quand je vais dire toi, que ta force, dynamisme, ta puissance, pénètre ce corps, pénètre ce cœur, pénètre ton intérieur, et que soudainement, la vigueur, la vitalité, là où le diable avait vidé quelqu'un, là où le diable avait vidé quelqu'un, soudainement, la force revient à toi. Je dis un, je dis deux, je dis trois, power of God, pénètre ses vies, pénètre ses cœurs, pénètre ses corps, pénètre. Mets ta main, esprit de power, esprit de puissance, fortifie, redonne de la vigueur, que la puissance de ton esprit absorbe cette douleur, fasse disparaître cette douleur dans le corps, à qu'elle soit absorbée, ces blessures dans le cœur. Il soit absorbé par ton feu a absorbé ce qui était dans la force. Et l'eau et tout ce qui avait été mis dans la force au temps de Élie a été avalé, a été englouti par le feu. Je demande ce matin que tout défaut que tu n'as pas planté, les blessures intérieures, les faiblesses physiques, la lourdeur, les maladies, les infirmités, Père, sois consumé par la puissance de ta force. Maintenant, au nom de Jésus, un faible sort d'ici en disant je suis fort par la force du Seigneur, la joie du Seigneur et ma force. Je réprime le rejet, je réprime la critique, je réprime la déception, je réprime l'amertume, je réprime la peur, je réprime la honte, je réprime la culpabilité, je réprime la punicité, je réprime l'esprit de culpabilité. Chaque fois que tu tombes, il te dit que tu n'es bon à rien, il te dit que tu ne mérites pas. Je réprime cette voix, je la réprime. Relève-toi, soldat, relève-toi, relève-toi. Par la force du Saint, fortifie-moi. Chaque jour et chaque nuit, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, fortifie-moi. Par Jésus, fortifie-moi. Zikata la bakate le brocosia la raba. Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Tu n'es pas obligé, c'est pas grave. Mais s'il y a quelqu'un qui a été fortifié par le Saint-Esprit dans son homme intérieur, si c'est de toi qu'il s'agit, alors donne-lui des amens de reconnaissance. Donne-lui des amens de gratitude. Donne-lui des amens de power. Donne-lui des amens de force. Tu ne sortiras pas d'ici affaibli. Chaque fois que tu t'affaibliras, il te relèvera. Amen. J'ai la grâce de te relever. Amen. Tu ne seras pas piraté, non. Chéri, comment racontons au Canada. La main du Seigneur se pose sur toi. Amen. La puissance d'en haut te localise. Amen. Et te fait sortir de la force de ce péché. Amen. Ce péché te disait, il est trop fort, c'est un mensonge. Amen. Tu sors de cette masturbation. Tu sors de la sirène, tu sors de l'étau qui t'avait étouffé. Je brise l'état de siège de l'esprit d'impudicité, d'immoralité sexuelle sur ta vie. Tu
n'es pas un prisonnier. Amen. Tu es un libéré, tu n'es pas un otage. Amen. Tu es un libéré, un délivré par le chemin Amen. Du sang, par le sang. Tu es libéré. Amen. Tu ne seras prisonnier que d'un seul. Amen. On l'appelle J-U-S-U-S. Amen. On l'appelle J-U-S-U-S. Jamais ça de notre salut, notre délivrance, Amen. Notre force, notre vigueur, notre vitalité, Amen. Notre bouclier, notre capacité. Amen. À personne d'autre, à toi soit l'honneur, Amen. La louange et la gloire et l'action de grâce. Amen. Ah, à la source de notre force, à celui qui nous a fortifiés puissamment par le Saint-Esprit de notre homme intérieur. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur. Il n'y a personne qui va se déconnecter physiquement et sur Internet en gardant la faiblesse. Ta force a pénétré l'esprit, l'âme et le corps. Quelqu'un se redresse. Le piratage de ta force intérieure a pris fin maintenant. Amen. Chaque fois que tu faibliras, ne t'inquiète pas. Ne te résigne pas. Ne culpabilise pas. Ne sois violent, bats-toi. Sa grâce te relève. Et sa capacité t'accompagne. Béni sois-tu, Père, le bien que tu nous as fait par ton esprit et par ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas fait de ce Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, c'est pas prier, c'est recevoir Jésus, faire de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à incliner la tête. Demain n'est qu'une espérance. Tu peux prier et aller en enfer. L'accès au paradis n'est pas déterminé par la prière. Il est déterminé par la capacité à faire de Jésus le centre de ta vie. Elle a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu peux prier et aller en enfer. Je te supplie de faire la paix avec Dieu. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut te donner du repos. Alors si c'est ta prière, incline la tête et fais cette prière rapide avec moi. Dis seulement Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Et viens dans ma vie. Et viens dans ma vie. Récris mon histoire. Récris mon histoire. Fais de moi, fais de moi la personne. La personne. Que tu as prévu que je sois. Que tu as prévu que je sois. Je te reçois. Je te reçois. Comme Seigneur. Et Sauveur. Sauveur. Personnel. Personnel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Cette prière simple, faite avec un cœur sincère et puissante, elle marque le commencement ou le retour à une nouvelle vie. La vie de Jésus, la vie du ciel qui commence maintenant sur la terre, mais qui va t'accompagner dans l'éternité, après la mort. Je te supplie de ne pas mourir sans l'avoir rencontré. Et fais de lui le Sauveur et le Seigneur de ta vie. Ne meurs pas sans ça. Ça serait une catastrophe pour toi, mais pour l'éternité. Parce que tout ce qui est dans l'éternité est inchangeable et ne peut plus changer. Quand tu rentres dans l'éternité non sauvé, tout ce qui est éternel ne bouge plus. Voilà pourquoi Dieu t'a donné le temps pour changer. C'est dans le temps, c'est dans cette terre, dans cette vie qu'on peut changer. Quand tu quittes la terre, tu rentres dans l'éternité, c'est fini. Ça ne change plus. Ton état sera permanent. Si tu es perdu, tu es perdu pour l'éternité. Fais le bon choix. Si tu as fait cette prière, envoie le mot salut
au numéro qui s'affiche à l'écran. Si tu es en présentiel, dans une église connectée, lève la main et tu peux sortir des rangées. On a des conseillers qui veulent t'accueillir. Si tu es sur Internet, alors il y a des conseillers qui vont t'accueillir tout à l'heure, en version digitale, sur Zoom. Mais ne regarde ni à gauche ni à droite pour ce genre de moment, ce genre d'appel. C'est personnel. N'aie pas honte, ne regarde ni à gauche ni à droite. Sors des rangées et viens donner. La Bible dit, viens donner ta vie à Jésus en public parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Si c'est toi, aujourd'hui, les caméras de vidéosurveillance du ciel vont zoomer sur toi et les anges vont faire la fête. Rien qu'à cause de toi. Où es-tu? Où es-tu? Où est cette personne? Où est cette personne? Si c'est toi, sors dérangé. Sors dérangé. Sors dérangé. Seigneur, mets ta main sur mon frère, mets ta main sur ma soeur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais. Lève la main et sors. Vite, 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 on t'attend. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. C'est à toi qu'il est en train de parler. C'est à toi qu'il est en train de parler. C'est à toi qu'il est en train de parler. Vite, 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 vite. S'il y a une seule personne, le ciel est dans la joie. Voilà, le ciel est dans la joie pour cette. Elle est. Le ciel est dans la joie pour toi. Lève les mains, le ciel est dans la joie pour elle. Le ciel est dans la joie pour elle. Waouh. Oh, le ciel est dans la joie. Pour une deuxième personne encore. Waouh. Seigneur, mets ta main sur elle. Révèle-leur ton amour. Bon, les autres là, c'est trop tard pour vous. Hein. Ah, il y a encore quelqu'un d'autre. Ok. Dans le ciel est dans la joie. Oh, le ciel est dans la joie. Oh, il y en a quatre. Le ciel est dans la joie. La main qui est sur moi vient sur toi. La main qui est sur nous vient se poser sur toi. Oh, le ciel est. Oh, le ciel est vraiment. Alors là, le ciel est vraiment, vraiment, vraiment dans la joie. Vraiment, vraiment. Acclame Dieu pour eux. Acclamez, acclamons, acclamons le Seigneur pour eux. Acclamons le Seigneur pour eux. Power of God, touche-les. Dans le nom de Jésus. Ah, il continue d'arriver. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Oh, est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus? Parce que le ciel est en train d'acclamer. Le ciel est en train d'acclamer. Encore miséricorde. Oh là 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 là. Ça n'arrête pas. Alors là, tu dois faire du bruit de l'humain. Je vois le ciel dans la joie et toi tu ne. Oh. Acclame, acclame. Nous te rendons grâce, Père. Mets ta main sur eux comme jamais auparavant. Révèle-leur ton amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on a tous fait cette prière un jour. On a tous répondu à cet appel. En 95, moi c'était en septembre 95. Et puis on a eu besoin que quelqu'un nous prenne par la main pour nous amener à connaître celui qu'on avait accepté là. C'est ce qu'on veut faire avec vous. Ça ne commence pas avec la prière. Non, la prière ça commence, mais ça ne s'arrête pas là. Laissez-nous vous prendre par la main et vous emmener sur le chemin de l'affermissement pour devenir des disciples affermis de Jésus. Je vous assure, hein, ici, vraiment, ici, Jésus transforme les vies radicalement. Ah ouais. Ici, là, oh, c'est pas la religion, hein. Here, this is God. Donc, vous restez là, vous connectez à cette maison-là. Je vois déjà les funérailles des puissances d'échecs, de sorcellerie, toutes les malédictions là qui combattaient vos destins là. Ils vont dire, mais il fallait pas qu'ils aillent à ICC. Satan, c'est trop tard. Acclame Jésus pour eux, acclame Jésus pour eux. Alors on va vous prendre, on va prendre juste quelques minutes de votre temps. On a des conseillers, ils sont tellement charmants. Je vous assure, vous n'allez pas vouloir les quitter. Mais il faut les quitter quand même. On a des conseillers qui sont charmants, qui vont prendre vos coordonnées. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, les amis, on est ensemble. ICC, on est une famille. Et on va prier pour vous. Et vos combats seront nos combats. Vos défis seront nos défis. Et puis celui qui vous embête, alors là, vraiment, on va le taillader ensemble. Amen. Est-ce que vous pouvez suivre les conseillers sur ma gauche? Voilà. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour eux? Je ne te vois pas acclamer. Je ne te vois pas acclamer. Seigneur,
Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis avec moi, waouh. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Ah, la puissance de sa force t'a localisé. Tu ne seras plus piraté. Ce matin, le piratage de ta force est interrompu. Et le Saint-Esprit te regonfle à bloc. Au nom de Jésus. Viens vous asseoir dans sa présence. C'est notre bonne habitude. Une bonne habitude spirituelle. It's our good customs. À ICC, in ICC, d'accueillir, to welcome ceux qui viennent pour la première fois, those who come for the first time. De leur demander de se lever and ask them to stand up so we can welcome you, pour qu'on puisse vous accueillir. In Jesus' name, au nom de Jésus. Amen. Alors, donc, comme tu ne l'as pas compris, donc je répète encore. Si tu es là à Impact Centre Chrétien pour la première fois, tu peux te tenir debout. Là, l'église Impact Centre Chrétien a la bonne habitude de prendre le temps vraiment d'accueillir ceux qui sont là pour la première fois. C'est ce qu'on veut faire avec toi, afin que ce jour soit mémorable pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es une célébrité. Maintenant que tu es venu à ICC, alors lève-toi afin que l'église puisse t'accueillir comme on aime le faire à Impact Centre Chrétien. Amen. Alors, famille ICC, est-ce qu'on peut se lever et on veut bénir Dieu pour nos invités ce matin? ICC, come on, are you ready? On y va! Hey! Alors, il faut bien les bénir, hein, bien les bénir. Hey! Mets ta main là. Bienvenue, qu'est-ce qu'on leur dit bienvenue, ce matin? Bienvenue, où ça va? À Impact Centre Chrétien. Qu'est-ce qu'on leur dit ce matin? Bienvenue, où ça? À Impact Centre Chrétien. Un, deux, trois, on y va. Seigneur, consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Viens, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Un, deux, trois, quatre. Bénis-les. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis, bénis. Bénis-les. Bénis-les. Seigneur, tu vois, ICC rassembler, bénis-nous, te louer et t'adorer. Bénis-nous. Seigneur, tu vois, ICC connecter, bénis-nous, pour te louer et t'adorer. Oh, béni, bénis-nous, 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 bénis-nous. Amen, Seigneur, bénis-nous, 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 bénis-nous. Oh, amen, Seigneur, bénis-nous. Alors nous inclinons la tête pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de sa présence. Father God, we thank you. Seigneur, nous te remercions vraiment. Nous n'avons pas de mots pour t'exprimer notre gratitude pour qui tu es, pour ce que tu as fait. Pour ce premier jour de la semaine que nous avons commencé avec toi, sur lequel tu as étendu ta main. Nous sommes le fruit de la grâce. Tout ce que nous avons vient de toi. Merci pour la grâce de t'appartenir pour toute l'éternité. Merci pour ce que tu as fait pour nous, de nous, ce que tu es venu faire en nous par le Saint-Esprit. Un salut éternel nous a été accordé. Une espérance nouvelle. Une vie qui commence maintenant, mais qui, dans le prolongement après la mort, est tellement plus glorieux. Personne n'a fait ça pour nous. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté la mission. Merci Père d'avoir démontré ton amour. Nous recommandons cette semaine entre tes mains. Te demandons d'étendre ta main parce que nous t'avons consacré le premier jour. Mets ta main sur tout le reste de la semaine. La conférence des jeunes, mets ta main. Conduis-nous par ton esprit. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Contre toute autel, toute voix qui appelle l'infortune, le malheur, les accidents, la mort subite, les calamités, catastrophes, toute voix qui parle contre tes rachetés, nous la condamnons en jugement maintenant au nom de Jésus. Tout agenda satanique, diabolique, mystique, occulte, toute plantation, graine, plantée contre nous, contre Impact Centre Chrétien, contre les membres d'Impact Centre Chrétien, contre la famille de chaque personne, contre les personnes qui sont attachées à nos vies,
à la barque de nos vies. Toute semence satanique, occulte, plantée par le sang de Jésus, elle est maudite à la racine. Amen. Je déclare que le bonheur, la grâce et la miséricorde nous accompagneront cette semaine. Nous habiterons dans la maison, dans la présence manifeste de Dieu. Jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre et jusque dans l'éternité. À toi qui as déjà tout accompli et qui rend manifeste dans le visible ce qui est déjà fini dans l'invisible. À toi sur la louange, la gloire, l'honneur, l'action de grâce, la sagesse, la force. Et maintenant et dans toutes les générations. Au nom précieux de Jésus le Christ. Amen. Nous t'avons prié une action de grâce. Fait. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Alors nous vous souhaitons, cher bien-aimé, un excellent dimanche dans sa présence. May God richly bless you, que Dieu vous bénisse. Bon Dieu bénis vous. Pache del Seigneur, Dios te bénisse. God zegnedish. Ruabena y barca. Zambe apambolabino, Mungu akobarik. Oui, j'ai vu. Shandi Jufuni, amen. Amen. Alors, on se salue les uns et les autres. Et vous qui êtes là pour la première fois, ne partez pas. Nous avons une collation qui est gracieusement préparée pour vous. Un pack sans chrétien, au cours d'une collation, vous serez reçu par nos conseillers. Amen. Donc, vous pouvez sortir. Vous êtes attendu. Vous qui avez reçu le drapeau, vous êtes attendu devant, sur ma gauche, donc à votre droite, par nos excellents conseillers. Encore une fois de plus, que Dieu vous bénisse et excellente semaine dans sa présence. Amen.